bonjour à Instagram. Ah. Merde. Salut, bonjour de ma chambre d'hôtel et du coup cette semaine le vlog numéro 5, déjà 5 vlogs. Cette semaine le vlog, le sujet, ça sera bien évidemment Barcelone parce que je suis à Barcelone. Et du coup pour enchaîner sur ce que j'ai présenté la semaine dernière, donc j'ai présenté, attendez, un tout petit peu trop de soleil. Du coup j'ai présenté la semaine dernière mon parcours, pourquoi j'ai fait une thèse, pourquoi j'ai fait parcours LMD classique, licence, master, doctorat. Donc je vais continuer sur la lancée sur ma thèse et mon boulot actuel. Donc on commence tout de suite avec ma thèse. Donc si on reprend l'histoire du début, j'ai loupé donc ce concours qui permettait d'avoir une bourse ministérielle. Et du coup j'ai trouvé un superviseur de thèse dans le sud, dans un laboratoire qui s'appelle le CREA, à Sofia Antipolis, donc qui est un technopole qui est au-dessus d'Antibes. Et j'ai été passé 3 ans là-bas pour faire ma thèse. Donc le sujet c'était les métasurfaces, donc c'est des composants optiques qui manipulent, en gros qui manipulent la lumière et qui permet de créer des fonctions optiques, comme par exemple ce verre de lunettes qui va filtrer la lumière du soleil, c'est sa fonction optique. Bon bah moi je faisais ça avec des éléments tout petits, donc ce qu'on appelle des nanostructures. Et donc quand j'ai fini ma thèse, moi quand j'étais en thèse, je m'étais toujours dit que j'allais faire maître de conférence. Et en fait, être maître de conférence en France, il y a je sais pas combien de candidats pour une seule place, donc c'est juste impossible, c'est hyper compliqué d'avoir ces financements. L'éducation, j'ai été donc doctorant chargé d'enseignement, école d'ingénieur, et je me suis retrouvé avec des gens qui ont un niveau. Clairement, j'avais des gens en première école d'ingénieur qui étaient incapables de savoir ce que c'était que sinus, cosinus et tangente. Donc voilà. Mon expérience de thésar m'a un peu dégoûté du monde de la recherche et du monde de l'enseignement. Et je me suis aussi rendu compte que ça collait pas avec ma personnalité. J'étais quelqu'un qui était beaucoup plus fait pour discuter, partager, négocier. Parce que ça vient tout simplement de là où j'ai grandi et de mon éducation. C'est-à-dire que quand j'étais petit, moi je faisais les marchés avec mon père. J'adorais discuter avec les clients, j'adorais faire le show, etc. Et du coup, je pense que c'est un truc qui me colle tellement à ma nature que ça me manquait. Et que au final, je me suis dit que je trouverais un boulot là-dedans. Donc voilà, je finis ma thèse. Une entreprise me démarche pour la faire courte. Elle me refuse. Je décide d'y aller au culot. Je candidate à la compagnie concurrente. La compagnie concurrente m'invite en Finlande. Ils me prennent. Et le 1er janvier 2020, je suis en Finlande. Dans cette boîte que je vais vous présenter dans la prochaine session de ce vlog. À tout de suite. Alors pourquoi je conseillerais de faire une thèse? Je conseillerais de faire une thèse parce que ça permet d'acquérir des compétences qui sont ce qu'on appelle des compétences transversales, c'est-à-dire que c'est des compétences que vous allez pouvoir utiliser ou appliquer en fait dans beaucoup de boulots différents. Ensuite, un autre conseil de pourquoi je conseillerais de faire une thèse, ce serait pour l'efficacité. C'est-à-dire qu'en thèse, on apprend à travailler beaucoup, on apprend à connaître ses limites en fait, à essayer d'être efficace, à être organisé. Et ça, il y a beaucoup de recruteurs qui apprécient cette compétence, c'est de savoir apprendre vite, travailler vite et être efficace.
autres avantages de la thèse, c'est de pouvoir voyager. En effet, si vous avez la chance de pouvoir faire une thèse avec un directeur de thèse qui vous laisse faire des conférences, c'est un gros avantage parce que vous allez pouvoir vous faire un réseau, vous allez pouvoir apprendre à parler en public, vous allez pouvoir apprendre à parler en général, voir aussi que l'avantage du monde des conférences, c'est de se rendre compte que il n'y a pas que le monde académique, il y a aussi le monde industriel. Et les deux sont connectés, donc c'est assez important. Et une autre chose hyper importante, c'est la vulgarisation. C'est-à-dire que, alors, voyager pour faire des conférences, c'est bien. Mais généralement, en conférence, vous allez parler à un public qui n'est pas forcément spécialiste à 100% de ce que vous faites, parce qu'en thèse, on devient hyper spécialisé dans ce qu'on fait. Du coup, vous allez apprendre, si vous faites beaucoup de conférences ou de séminaires ou de présentations en général, un des avantages de la thèse, c'est de savoir vulgariser correctement. Bienvenue à Barcelone, donc troisième jour de conférence. Toujours pas de valise, donc du coup j'ai acheté des belles chemises à H&M. Alors les avantages de faire une thèse aussi, c'est si vous pouvez voyager et faire des conférences, donc je vous ai parlé du côté vulgarisation. Il y a aussi le côté faire du réseau, où vous allez pouvoir parler avec des gens, vous allez pouvoir rencontrer du monde, et si vous avez un peu de chance, vous allez pouvoir rencontrer des industriels. Et moi je vous conseille fortement de vous faire un réseau d'industriels autour de vous. Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'en fait c'est grâce à eux que vous allez sûrement avoir du travail à la sortie de la thèse. Moi, mon conseil est le suivant, je vous encourage à vous barrer et d'aller dans un autre pays. Si vous n'avez pas d'attache, si vous n'avez rien, barrez-vous. Allez à l'étranger, faites-vous une expérience dans l'industrie. Ça, et je pense qu'en fait ce qui compte le plus, c'est vos compétences et comment vous vous vendez aux autres. Je vous encourage fortement à faire des formations professionnelles pour savoir la valoriser, donc faire du networking, apprendre l'anglais, parler correctement l'anglais. Donc voilà. Donc, toujours pas de valise, mais j'ai visité la Sagrada Familia, donc ça fait plaisir parce que je connaissais pas du tout l'Espagne. Puis sinon, j'ai trouvé le port de Barcelone. Voilà. Donc je suis content quand même, et je vais faire casquer KLM, je vais les faire casquer pour tout ce que j'ai payé cette semaine. Bref, c'était une semaine assez chaotique quand même avec la conférence parce que j'ai jonglé sur plusieurs boulots, donc voilà. Mais c'était cool.